Il est temps de découvrir les résultats 2022 des baromètres de perception de la RSE et de l'égalité des chances en entreprise du MEDEF. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Armel Carminati-Rabas, présidente du comité entreprise inclusive du MEDEF. Elle est aux côtés de Dominique Carlac, vice-président et porte-parole du MEDEF. Soyez les bienvenus, mesdames. Nous les applaudissons, bien sûr. Soyez les bienvenus, merci d'être avec nous ce matin. Merci Lilia. Alors, nous démarrons tout de suite parce que nous avons envie de découvrir les résultats de ces deux baromètres. Vous publiez la 11e édition du baromètre de perception de l'égalité des chances en entreprise et la 4e édition du baromètre RSE. Alors, je me tourne tout d'abord dans un premier temps vers vous, Armel. Avant de nous présenter ces résultats, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'objectif de ce baromètre pour le MEDEF qui interroge des salariés français du secteur privé ? Merci Annabelle. Oui, merci de me poser la question parce que c'est vrai que ce baromètre, même s'il a beaucoup évolué, j'en suis avec une vingtaine d'entreprises à l'époque, en 2012, un peu la maman. À l'époque, on était en 2012 dans une période sur laquelle les entreprises étaient plutôt en paysage serein. Les vagues d'attentats n'avaient pas encore eu lieu, les agitations non plus. Et donc on se trouve fort bien équipé avec ce recul de plus de 10 ans désormais pour travailler sur le sujet de l'égalité des chances. Il faut dire que en 2022, à l'heure où nous nous parlons, les entreprises sont plutôt en période turbulente depuis au moins 3 ans, avec la vague Covid qui a créé des inégalités pour certains secteurs, entre métiers dans un secteur, mais aussi un vent de liberté, la liberté de travailler pour certains là où on veut, la liberté aussi de tourner les talons et de s'en aller. La vague des chocs climatiques aussi a beaucoup secoué en milieu d'année là, et a fait prendre conscience de façon extrêmement concrète, abrupte, d'un fort degré d'urgence et avec une exigence de preuve. Parce que maintenant, ça y est, on y est. Donc les discours ne suffisent plus. Maintenant, il faut des actes. Et nous sommes tout à fait contents d'avoir de quoi mesurer depuis plus de 10 ans comment les entreprises sont en train de passer de la parole aux actes sur la question de l'égalité des chances et de la RSE. Et donc c'est pour ça que toute cette semaine, où il s'agit de se connecter, de démultiplier ce qu'on essaie de faire et de le faire à plusieurs, Anne-Laure a rappelé pas mal de chiffres importants, ça commence aujourd'hui lundi par de l'objectif, de la mesure, de l'outillage. Et on va y passer la journée, parce qu'on va passer de parler de baromètre là aujourd'hui, mais cet après-midi encore, on va parler de mesures avec la défenseure des droits. Donc en 2012, 20 entreprises, on avait déjà un baromètre un peu étoffé pour mesurer de la perception. Pas pour faire de la statistique sur la réalité de la démographie des entreprises et de la variété de la démographie, mais pour simplement tendre le baromètre pour comprendre ce que chacun ressent dans le climat de l'entreprise dans laquelle il évolue. Parce que la perception, c'est peut-être pas la réalité, mais c'est le point de départ quand on veut s'adresser à quelqu'un. Et puis depuis le temps, le baromètre n'a cessé d'évoluer avec un invariant, c'est de la perception, mais avec de plus en plus de questions sur les sujets d'actualité, dont la RSE. Merci Armel. Alors justement, vous m'offrez une transition royale. Le baromètre RSE existe maintenant depuis 4 ans. Est-ce que vous pourriez revenir, Dominique Carlac, d'abord sur l'objectif du lancement de ce baromètre et la raison pour laquelle vous décidez de présenter les résultats en même temps que celui qui porte sur l'égalité des chances? Oui, vous avez raison de poser la deuxième question parce que c'est une innovation. Nous avons décidé de réunir deux baromètres, un baromètre qui avait déjà un succès et de nombreuses éditions, et puis un baromètre plus récent, dont la troisième édition sur le RSE. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, la RSE, quand on se penche un petit peu sur le concept, on se rend compte qu'il y a vraiment trois piliers du développement durable. Et ces trois piliers, environnement, social et économique, ont tendance parfois
parfois dans la perception qu'on a de la conception de ce qu'est la RSE à être enfermé dans la seule dimension environnementale. Or, on sait très bien quand on monte des politiques RSE, responsabilité sociale des entreprises, qu'il y a vraiment les trois piliers. Donc l'idée, c'était de se dire on arrête de faire deux baromètres, on réunit les deux. Alors pourquoi au début on a fait le baromètre de la RSE tout seul ? C'est parce que c'était un concept qui était encore mal connu. Et des salariés et des chefs d'entreprise. Donc il fallait mettre un coup de projecteur spécifique à ce qu'était la RSE pour qu'on passe de quelque chose d'un peu conceptuel à quelque chose d'un peu plus pratique. Aujourd'hui, effectivement, on a réuni les deux baromètres pour ne pas rester enfermé dans une acceptation uniquement environnementale de ce qu'apporte la RSE. Et donc l'édition de cette année, elle avait un objectif très simple, en plus d'être dans ce corpus général du développement durable, c'était de pouvoir dire mais finalement, quels sont les indicateurs qu'on peut apporter, les preuves quelque part, d'une démarche RSE dans une entreprise. Donc qu'est-ce qu'apporte la RSE véritablement et concrètement à l'entreprise? Comment les salariés perçoivent cette RSE? Donc c'est le thermomètre, c'est le baromètre, c'est-à-dire est-ce que finalement, malgré les bonnes intentions, c'est perçu en entreprise? Donc le comment, et puis l'autre chose, c'est de démontrer si oui ou non la RSE est plus importante dans les entreprises aujourd'hui qu'hier. Donc c'était cette question très concrète auquel on voulait répondre en réunissant les deux baromètres cette année. Très bien, merci. Alors, on va rentrer dans le détail, mais je me souviens que l'année dernière, le bilan que vous nous faisiez de la perception, justement, que les salariés avaient du développement durable et de la RSE en entreprise était un petit peu mitigé. Alors, qu'en est-il cette année? Alors, c'est meilleur, les résultats sont bons. Voilà, donc ça, c'est s'il y a des personnes qui suivent l'actualité de nos baromètres, les résultats sont cette année sont bons, voire très bons, puisque cette année, on constate justement qu'il y a vraiment une meilleure connaissance par les salariés de ce qu'est le développement durable et des actions qui se déroulent dans l'entreprise pour ce faire. Il y a plus que 10% des salariés qui ne savent pas que leur entreprise travaille pour le développement durable. Donc il n'y a plus que 10%. Alors il y a une grosse disparité selon les catégories socio-professionnelles, puisque c'est 3% des cadres qui ignorent qu'il se passe des choses en entreprise sur le sujet. En revanche, c'est 23% des ouvriers. Et donc il y a vraiment cette disparité et cette communication interne à faire sur toutes les fonctions de l'entreprise à faire pour progresser encore. Mais les résultats sont vraiment bons, puisque au global, on a plus que 10% des salariés qui ne savent pas qu'il y a une action de développement durable dans leur entreprise. Toujours avec cette perception, néanmoins, vous le voyez sur la slide, qu'aujourd'hui, la prédominance de l'engagement écologique, c'est ce qui ressort de la bouche des salariés. C'est-à-dire qu'ils savent que leur entreprise fait du développement durable, mais à travers essentiellement le prisme des engagements liés à l'écologie. Ça, c'est important. Mais néanmoins, au global, le chapeau développement durable est reconnu aujourd'hui. Et puis, il y a effectivement toujours une disparité, peut-être une acuité et une perception plus accrue dans certaines catégories d'âge. Donc, effectivement, les salariés de plus de 35 ans donc, sont plus sur les engagements environnementaux et écologiques. Les 25-34 ans sont davantage sur l'éthique et l'éthique des affaires en particulier, et les 16-24 ans sur la transparence dans la communication. Donc c'est assez important de voir, parce que les tout jeunes, ce qui les préoccupe le plus sur l'engagement de développement durable de leur entreprise, c'est la transparence. Juste au-dessus, c'est l'éthique, et c'est à partir de 35 ans qu'on est sur les considérations environnementales et écologiques. Donc ça, c'est des nouveaux sujets qui adressent le monde de l'entreprise et le dirigeant d'entreprise aussi. Ce besoin de transparence et d'éthique. On va enchaîner sur ensuite les préoccupations, les sujets prioritaires des salariés. Alors, les sujets prioritaires, comme l'année dernière, c'est toujours santé, sécurité et qualité de vie au travail qui ressortent. Donc ça, c'est vraiment l'item le plus important. Ça, c'est important de le rappeler. Plus d'importance aux thématiques. Vous voyez les différentes thématiques qui constitue la RSE au global, les différentes thématiques sont plus importantes aux yeux des salariés que la thématique globale de la RSE. Donc ça, c'est important. C'est que aujourd'hui, ce qui ressort le plus, c'est j'ai besoin de savoir qu'on se préoccupe dans le monde de l'entreprise de la santé, de la sécurité, de la qualité de vie au travail, et puis des partages de vie. Mais plus besoin de ça que d'une démarche globale RSE.
Alors, c'est assez normal, hein, c'est le besoin individuel, finalement, plus que le besoin collectif. Deuxième chose, donc, la santé et la sécurité sur 74%, c'est vraiment de loin le premier. Alors, ensuite, on a une progression du caractère prioritaire de la qualité de vie au travail et de l'égalité des chances, puisque on progresse, vous le voyez. Alors, je ne sais pas si on voit les marges de progression, mais en gros, ce sont des items qui progressent pas mal. Alors, on ne voit pas bien à l'écran, mais on voit que... Alors, on ne le voit pas bien, mais par exemple... chacun des items gagne 4 points. Ces différents items en tête gagnent 4 points. Donc, non seulement c'est toujours les mêmes, mais en plus, ils continuent à progresser. Donc ça, c'est quelque chose, ben, dans le dialogue social dont on parlait tout à l'heure en introduction, est important dès lors qu'il est très, très reconnu et attendu par les salariés dans les entreprises. On peut peut-être passer à la slide suivante. Sur c'est ce que je viens de dire, j'ai anticipé sur la slide. C'est vrai que le schéma, c'est ma priorité personnelle est plus forte que ma perception de la priorité de l'entreprise et ça reste valide. C'est-à-dire que on connaît de plus en plus la démarche RSE parce qu'elle touche de plus en plus des préoccupations qui sont miennes. Donc c'est pas forcément la stratégie de l'entreprise RSE qui importe, c'est qu'est-ce que de quoi est-elle composée ? Et cette symétrie d'attention, attention personnelle, attention interne, avec attention externe, est extrêmement sensible. C'est vraiment important de le rappeler, la symétrie des attentions dans les démarches RSE. On ne travaille pas, même si ce qui vient spontanément à l'esprit des salariés, c'est des considérations environnementales ou écologiques. Derrière tout ça, la préoccupation et la sensibilité des salariés, c'est OK, mais est-ce qu'on s'occupe bien de ma santé, de ma qualité de vie au travail ? Et vous voyez que les histogrammes montrent à chaque fois un différentiel. En bleu, vous avez est-ce que c'est prioritaire pour vous individuellement ? Est-ce que c'est prioritaire pour votre entreprise ? Et à chaque fois, c'est toujours plus prioritaire pour soi que pour l'entreprise. Et donc ça, c'est un grand enjeu hein, de cette démarche RSE, c'est comment faire, comme à la comédie française, simul et singulis, c'est-à-dire être soi et être ensemble. Ça, c'est vraiment un des enjeux majeurs de cette édition du baromètre. Merci Dominique Carlac pour cette présentation très complète. Alors, Armel, vous fêtiez cette année les 10 ans du baromètre de perception de l'égalité des chances et les résultats en 10 ans, montrer une évolution plutôt très positive avec, je cite, un recul du sentiment de discrimination au sein de son entreprise et sur le marché du travail, mais aussi une meilleure connaissance des politiques portées en interne sur tous ces sujets. Question, quels sont les principaux résultats pour cette nouvelle année ? Déjà, il faut que je vous confesse quelque chose, c'est qu'en 2012, quand on a démarré ce baromètre, on ne voulait pas parler de discrimination. On ne voulait pas parler de discrimination, parce que des baromètres, il en existe, et notamment à l'époque la HALDE, mais aux défenseurs des droits. Et on voulait vraiment travailler sur l'inclusion, l'égalité. Mais enfin, ça n'a pas raté. Dès la première publication, on nous a posé des questions de discrimination. Donc, j'ai cédé. Et depuis 2013, on pose une question, et même une question bifide, sur cette crainte de discriminer. Ce n'est pas la vérité des discriminations, hein, mais c'est la hantise de ça. Et on la pose à l'intérieur de sa propre entreprise, intramuros, et puis on la pose aussi sur le marché du travail, si jamais vous mettiez le nez à la fenêtre ou si vous étiez en dehors de l'entreprise bientôt, est-ce que vous craindriez ça ? Donc, voilà cette question qui quand même nous donne depuis... Alors, attends, il y a eu un... qui nous donne depuis 10 ans. Alors, c'est avant, Dominique. Oui, voilà, en fait. On va remettre les slides dans le bon ordre. C'est pas grave, ça va venir. Voilà. On voit sur le graphique de gauche, vous voyez que depuis 10 ans, finalement, la proportion va dans le bon sens, puisqu'on est à un plus bas historique, avec moins d'un salarié sur trois en entreprise à 32%. Qui a la crainte un jour peut-être d'être victime d'une discrimination à l'intérieur de sa propre entreprise et on verra pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est que ce 32%, c'est un peu les commentaires que tu commençais à faire, c'est commence à être très différencié selon certains critères. Par âge, ce sont les 25-34 ans qui ont la plus grande crainte à 42%, plus que les 23% de plus de 50 ans. En termes de CSP, ce sont les cadres
qui ont cette hantise un peu plus importante, à 35%, on n'est pas infiniment au-dessus. Et puis en termes de région, puisque je ne l'ai peut-être pas tout à fait dit au tout début, mais sur les 1500 répondants, bien entendu, nous demandons à notre partenaire Kantar d'appliquer la méthode des quotas et donc de l'appliquer sur pas mal de critères, le sexe, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, la région. Et donc, en termes de région, c'est plutôt en région parisienne, à 37%, qu'on a cette crainte, beaucoup plus qu'en province, à 30%. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pour la troisième année la même réponse chez les femmes et chez les hommes. C'est intéressant à noter parce qu'on a vécu depuis 2013, année après année, vous le voyez dans le graphe de droite sur tout le début d'année, des femmes qui vivaient dans nos murs avec une plus grande appréhension. Et puis finalement, ça n'est plus le cas et ça se confirme pour la troisième année. Ça a l'air d'être quand même une vraie tendance. C'est-à-dire non seulement ça baisse, mais ça baisse pour tout le monde. Ce que vous ne voyez pas parce qu'on vous a économisé aussi quelques pages, c'est que sur la question jumelle sur pensez-vous que vous pourriez être un jour victime d'une discrimination sur le marché du travail en général, donc extramuros, à l'intérieur de l'entreprise, on monte à 48%. Et ce que ces 16 points d'écart nous donnent, c'est finalement une vraie confirmation de la confiance dans sa boîte. Tout simplement. C'est-à-dire quand on est quelque part, on a confiance, on a un peu plus peur de ce qui passe dehors, mais finalement, chacun dans sa boîte, on se trouve plutôt confiant. Et donc, cette hantise, il faut certainement y travailler, puisque à l'intérieur des murs, ce n'est pas une réalité pour les deux tiers. Alors, autre question, forcément, c'est-à-dire la hantise d'être discriminé, mais à cause de quoi ? Ben, à cause de l'âge. Et massivement à cause de l'âge, qui est quand même le critère que j'espère on va tous connaître un jour, c'est-à-dire vieillir. C'est quand même ce que je nous souhaite à tous, c'est d'avoir une longue vie. Et donc, en se projetant, finalement, nos collaborateurs, c'est massivement, et depuis des années, depuis le début, que c'est la hantise de l'âge. Les trois critères qui suivent assez fortement derrière, qui sont tout de même à 1 sur 4, hein, on est dans les 21-23%, c'est l'apparence physique, le diplôme et le sexe, c'est-à-dire être un homme ou être une femme. Et ce qu'on voit tout à droite, c'est que sur ces critères-là, mais aussi sur les autres qui apparaissent un petit peu plus faibles, les réponses, là, pour le coup, sont différentes entre les hommes et les femmes. Quand on est une femme, c'est bien entendu l'âge, comme tout le monde, mais presque plus, puisque c'est 46% pour les femmes et 41% pour les hommes, qui est important. Mais c'est au quatrième niveau, le fait d'être une femme qui mange toutes les craintes, finalement, et qui aspire toutes les craintes. Et du coup, de façon beaucoup moins forte verticalement sur les autres items. Par contre, les hommes exprimant beaucoup moins, à 7%, la hantise d'être discriminés parce qu'ils sont des hommes, font ressortir, cette fois-ci, vous voyez les items en rouge, des inquiétudes plus importantes sur le diplôme, à égalité avec les femmes, mais l'origine sociale, la couleur de peau, l'appartenance à une nation ou à une prétendue race, ou l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Donc, vous les voyez ici, mises en lumière de façon rouge. On voit que là, quand on déambule dans les couloirs d'une entreprise, on n'a pas les mêmes craintes selon qu'on est un homme ou une femme. Sur le baromètre, on pose aussi depuis plusieurs années, pas depuis le début, mais depuis plusieurs années, une question plus personnelle. Vous l'avez vu, quand on mesure la perception, on a pris soin depuis le début dans ce paramètre de demander aux répondants de nous décrire ce qui se passe autour d'eux. Et là, cette fois-ci, on leur demande à titre personnel si eux se sentent porteurs d'une ou plusieurs caractéristiques qui pourraient être potentiellement stigmatisantes, sans pour autant que ça génère une crainte de discrimination, mais s'ils devaient se décrire, en quoi ils se sentent différents, en quoi ils se sentent pas pareil que le corps social. Eh bien, on a 8 salariés sur 10, donc 80%, hein, qui se disent porteurs d'au moins un critère qui potentiellement pourrait être stigmatisant. Et quand on regarde lesquels,
On les voit dans l'ordre, au moins sur les trois premiers. L'origine sociale modeste, le fait d'être senior, c'est-à-dire avancé en âge par rapport à une échelle sociale, ou d'avoir un parcours scolaire ou professionnel atypique. Ce qui est intéressant, c'est de comparer, et vous ne l'avez pas sur cette page, mais de comparer en quoi, quelle est la proportion qui se pense porteur d'une caractéristique potentiellement stigmatisante et qui, en fait, a de l'inquiétude, pour de vrai, à cause de ce sujet-là. Et j'en prendrai simplement deux. L'origine sociale modeste, vous l'avez vu passer tout à l'heure, mais vous ne vous souvenez plus des chiffres. Il y a 22% de nos répondants dans le corps social au travail en France qui se dit d'origine sociale modeste. Et pour autant, il y en a 4 fois moins, c'est-à-dire 6%, qui pensent que c'est une raison d'inquiétude et de discrimination sur le marché du travail. Même sur la situation de handicap, visible ou invisible, ils sont 9% à avoir répondu qu'ils étaient porteurs de ce paramètre, mais un peu plus haut dans l'étude, ils sont 5%, c'est-à-dire la moitié à peu près, à penser que ça peut leur coûter de la discrimination sur le marché du travail en général. Donc on voit que sur ces éléments-là, être porteur d'une caractéristique différente et être tranquille avec ça, par des facteurs assez importants, c'est des sujets qui progressent dans les murs de nos entreprises. Alors, jamais tranquille à 100%, mais de plus en plus serein sur le sujet. Sur la page suivante, on a posé la question du principe d'égalité des chances et des sujets, des raisons, des éléments sur lesquels, de l'avis des répondants, les entreprises devraient agir pour faire évoluer les mentalités, parce que ce n'est pas tout le temps respecté. Et là, les deux sujets d'alerte sur lesquels nos salariés nous disent « attention là, faites attention plus qu'ailleurs », c'est les sujets qui concernent l'égalité femmes-hommes. En premier lieu, l'argent, c'est-à-dire l'égalité salariale. En deuxième lieu, l'égalité tout court. Donc, c'est les deux premiers items. Et vous le voyez de façon absolument massive. L'égalité salariale, d'ailleurs, de façon encore plus poussée, avec un saut de 6 points par rapport à l'an dernier. Et dans tous les cas, on a plus d'une personne sur deux dans nos murs qui sont intraitables sur le sujet et qui veuillent que ça aille mieux. Évidemment, c'est un peu plus les femmes que les hommes qui répondent là-dessus, mais malgré tout, pas de façon vertigineusement différente. Sur l'égalité salariale, 56% des femmes attendent les employeurs au rendez-vous, mais 51% des hommes, plus d'un homme sur deux, disent « il n'y a pas de raison, il faut que ce soit égal ». Et puis sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sens large, c'est 59% de femmes qui l'attendent de pied ferme et c'est 42% des hommes. Donc on le voit sur ces sujets-là. J'en parlais un peu plus tôt quand on a commencé à en discuter, Annabelle et Dominique. On a atteint un niveau, depuis le temps que les entreprises disent qu'elles veulent avancer sur le sujet, où les collaborateurs veulent des preuves. Et là, on le lit, la preuve passe par les femmes et par l'argent et par la rémunération. Donc il y a des moyens d'action très clairs et il se trouve effectivement que l'État est doté désormais d'obligations sur ce sujet-là, avec un index d'égalité salariale pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés qui est publié désormais depuis quelques années grâce à Madame Pénicaud. Et donc maintenant, il y a les outils pour faire, il y a les outils pour voir et donc il y a les outils pour rendre des comptes aux salariés. Autre sujet, qui est un sujet tout neuf, je vous l'ai dit, le baromètre évolue. Il a à la fois un corps qu'on garde de façon assez stable pour pouvoir voir les évolutions dans le temps, et puis en même temps, on se permet toujours un petit peu d'espace pour donner des coups de sonde. En 2019, à l'époque de la loi Pacte, on avait fait de la place dans le baromètre pour héberger les questions RSE, parce qu'il était temps. Mais là, cette année, pour la deuxième fois, on a souhaité mesurer les sujets auxquels nos salariés sont confrontés, des sujets de comportement qui sont vécus comme extrêmes. Alors, on en a donné une définition pour aider les répondants. Les sujets à comportement extrême, ce seraient des attitudes d'une intransigeance absolue aux exigences disproportionnées pour la sérénité du climat de travail. Et donc, on pose la question, est-ce que vous avez vécu ce genre de situation
autour de vous, dans votre entreprise, de la part d'un ou de plusieurs collègues, sur les 6 sujets suivants. Et donc, pour la deuxième année, on voit les éléments commencer à bouger. Comme c'est tout neuf, je vais quand même vous l'expliquer. Quand on est dans la petite zone grise, la réponse est « oui, je l'ai vu, mais je m'en moque, chacun fait ce qu'il veut ». À l'autre extrême, la réponse bleu foncé, c'est... Ah non, je vais le faire dans l'ordre d'ailleurs. La réponse bleu moyen ou bleu un peu turquoise sur cet écran, c'est je m'adresse au collaborateur, je lui demande d'être plus discrète ou plus discret, ses opinions les regardent et elles n'ont pas besoin d'être ventilées dans l'équipe. Le bleu un peu plus foncé, c'est j'en parle avec d'autres collègues mais toujours pas à un supérieur. Et la bleue foncée, c'est j'en parle à notre manager en espérant une réaction. Donc on voit ici une sorte de curseur d'indifférence ou de moyen d'action. Quand le gris est relativement faible, et vous le voyez sur deux items, sur la question des opinions religieuses et sur la question de des idées complotistes, là, on sent que les collaborateurs dans les équipes sont plus prompts à en parler plutôt que de laisser filer, ont les arguments, et on sent que la pédagogie en entreprise ou la pédagogie dans l'opinion publique, d'ailleurs au sens large, a bien fait son travail et que les collaborateurs ne sont pas totalement perplexes. On voit bien sur les 4 autres items des opinions extrêmes et immodérées en matière de protection de l'environnement, immodérées en matière de politique, immodérées en matière de prise de parole au nom de groupes présentés comme victimes systématiques ou bien immodérés en matière animaliste. On le voit sur ces sujets-là, la zone grise est plus importante, c'est-à-dire le salarié est perplexe et n'agit pas, la remontée vers les managers extrêmement faible, hein, c'est la zone bleu foncé. Donc ça, c'est une... Ça fait partie des sujets sur lesquels on commence à poser des palpeurs. Il y en aura peut-être d'autres, hein, année après année. Parce que pour nous, dans ce type de mesure, ça nous permet de commencer à cerner des sujets sur lesquels il est temps de faire de la pédagogie, il est temps d'équiper les managers, et il est temps d'équiper les collaborateurs au sens large pour ne pas être désarçonné ou paralysé par peur de mal faire. Voilà les éléments. Et enfin, dernier item que l'on pose depuis 2017, comme vous le voyez. Puisque mon employeur travaille sur les questions d'égalité des chances, est-ce qu'au final, dans le corps social, on a le sentiment que nous, collectivement, dans la boîte, représentons bien la diversité? Finalement, ce sentiment ne cesse de progresser. On est à un point culminant, et que j'espère pas encore terminé, à 82%. Retenez que ce chiffre est même à 90% dans les entreprises où l'on sait qu'il y a un poste ou une mission en responsabilité sur la question de l'égalité des chances. Très bien, merci. Alors justement, Armel, pour rebondir sur votre dernière remarque, est-ce que vous constatez une amélioration avec les années de la perception et de la connaissance des actions menées par leurs entreprises pour les salariés, que ce soit au niveau de la RSE ou alors de l'égalité des chances ? Armel ou Dominique, vous aurez chacune votre partie. Allez, égalité des chances, allons-y. Exactement. Sur l'égalité des chances, pour aller vite, oui, ça ne cesse de progresser. Vous voyez, on était depuis 2017 à moins de la moitié du niveau d'aujourd'hui, où on est à 33%, avec une grosse progression à plus 7. Là, pour le coup, en matière de sexe, ce sont les hommes qui sont... plus en connaissance à 37% versus 27% seulement pour les femmes. Je vais me permettre quand même de corréler ça au niveau de grade dans l'entreprise, puisqu'on voit que en termes de connaissance, les cadres sont parfaitement au courant, 48% et 24% seulement pour les ouvriers et 28% au milieu pour les employés. Et puis, chose intéressante, la vigilance n'attend pas le nombre des années parce que c'est 33% cash, 40% chez les 25-34 ans et seulement 23% chez les plus de 50 ans. Donc les jeunes sont aux aguets. Très, très intéressés.
Alors, même question côté RSE, est-ce que c'est connu, pas connu dans l'entreprise? Alors ça, c'est un des résultats intéressants de cette édition. Les actions en faveur de la RSE et l'entité qui s'en occupe, le département, la personne responsable, est de plus en plus connue des salariés. Donc on gagne 7 points sur cette édition. Et si vous regardez le graphe de gauche et de gauche à droite, on a gagné 20 points depuis 2017. Donc en 5 ans, on a gagné 20 points sur le fait que les salariés savent qu'il y a une entité, une personne, un département qui s'occupe de RSE dans leur entreprise. Alors il y a une sensibilité évidemment variable selon l'entreprise dans laquelle on est et selon la personne que l'on est dans cette entreprise, puisque cette progression est particulièrement notable dans les entreprises de plus de 1000 personnes, donc dans les grosses entreprises, c'est quelque chose qui maintenant se voit et est connu de la part des salariés. Comme les années précédentes, le sexe, la catégorie d'âge et la catégorie socio-professionnelle donnent des éléments de variation. Une chose qui, moi, m'a étonnée, c'est que 40% des hommes savent qu'il se passe quelque chose en termes de RSE dans leurs entreprises pour 30% des femmes. Donc, tu saurais peut-être... C'est miroir, à mon avis, miroir avec ce que tu disais tout à l'heure. Sur l'égalité des chances, c'est-à-dire que c'est assez corrélé au grade. C'est ça. Malheureusement, on n'est pas encore à l'égalité. Donc, comme ce n'est pas égalitaire en termes de catégories socio-professionnelles, on le voit, puisque 52% des cadres savent qu'il y a quelque chose en matière de RSE dans leur entreprise, pour 26% des ouvriers. Donc, c'est le double. Donc 52% des cadres savent qu'il se passe un truc et qu'il y a une politique RSE. Et puis 26% des ouvriers, parce que ça aujourd'hui, ils ne le perçoivent pas forcément. En tout cas, ils ne savent pas que ça existe. Et chez les jeunes et chez les moins jeunes, c'est pareil, puisque 56% des 16-24 ans savent qu'il y a quelque chose. Il y a un service qui s'occupe de RSE pour 29%. À titre d'anecdote, moi, dans mon entreprise, je recrute pas mal, je suis une PME. Il n'y a pas un jeune salarié candidat qui ne me pose pas la question à l'entretien d'embauche. Alors que quand j'ai recruté des gens plus âgés, des gens qui avaient plus de 50 ans, ils ne m'ont pas posé cette question. Et un jeune qui sort de l'école aujourd'hui, quand il a vu sur votre site que vous étiez un peu communicant sur la RSE, il vous dit, mais en fait, concrètement, vous faites quoi? Alors que une collaboratrice que j'ai recrutée l'année dernière, elle ne m'a même pas cité le fait que on communiquait sur le fait qu'il y avait de la RSE. Donc c'est vraiment très très marquant, c'est un vrai facteur d'attractivité, de préoccupation et d'attractivité à la fois, de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe dans l'entreprise, si ce n'est le dirigeant, au moins un service si on est dans une plus grande entreprise. Slide suivante. Donc, du coup, les entreprises ne s'y sont pas trompées et communiquent de plus en plus. Et donc là, on voit que massivement, il y a eu un critère qui a progressé, c'est on a fait quelque chose pour communiquer sur notre démarche RSE et ça gagne 7 points. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises ont compris que ce n'était pas le tout de faire du Monsieur Jourdain et de croire qu'on fait de la RSE parce qu'on fait des actions en faveur du social, de l'environnemental ou de l'économique et des parties prenantes. Ça ne suffit pas, il faut communiquer. Et donc cet item, les entreprises l'ont bien compris, les entreprises communiquent de plus en plus. Et la bonne nouvelle, c'est que la conséquence de ça, c'est la slide suivante. Voilà, merci. C'est que la conséquence de ça, c'est que les salariés sont en accord avec ces valeurs qui sont promues à travers la démarche RSE. Ça, c'est un résultat assez exemplaire, puisque lorsque les actions sont connues, lorsque les actions RSE sont connues, elles sont jugées efficaces pour les trois quarts des répondants. Et pour 91% des répondants, c'est en accord avec leurs propres valeurs. Ce qui fait qu'il y a moins de sujets de distorsion, justement de perception, en se disant « je suis dans une entreprise qui ne me convient pas ». En fait, aujourd'hui, au-delà de l'intérêt du poste, au-delà, alors pas seulement au-delà du salaire, ça dépend des catégories CSP, mais est-ce que cette entreprise me correspond ? Et donc ça, c'est un processus, l'impact sur le processus de recrutement est extrêmement fort, parce qu'il faut à chaque fois se dire, je ne vais pas donner un poste ou un salaire, c'est est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose ensemble? Là, je relis la raison d'être du MEDEF, agir ensemble pour une croissance responsable, ça n'est pas une vue de l'esprit dans les entreprises aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait véritablement cette adhésion des valeurs que l'on met en œuvre, que l'on promeut dans l'entreprise pour pouvoir avoir cette compétitivité hors coût qui est la gestion des ressources humaines.
on va avancer sur la slide suivante pour voir la proportion des salariés qui pensent que, justement, leur entreprise a une mission. Eh bien, cet item gagne 5 points et s'établit à 41%. Aujourd'hui, les gens qui répondent disent « Oui, mon entreprise, elle a une mission. » C'est-à-dire qu'au-delà de mon poste, je considère que mon entreprise, elle a une mission. Alors, cet item est particulièrement plus fort chez les jeunes, à nouveau, puisqu'on dépasse sur les plus... Enfin, les moins de 34 ans ou les plus de 16 ans, entre 16 ans et 34 ans, on est à plus de la moitié des répondants qui disent « Mon entreprise a une mission ». Les 16-24, c'est 60% d'entre eux qui disent « Mon entreprise a une mission ». Et les 25-34 ans, c'est 52% d'entre eux. Et puis, les plus de 50 ans, c'est 31%. Donc, les plus de 50 ans, ils ont peut-être une conception plus traditionnelle et de l'entreprise et de leur job dans l'entreprise, qui est de ne pas se dire « Mon entreprise a une mission ». En revanche, c'est une sensibilité extrêmement forte chez les jeunes. Et donc, ce que l'on voit également sur la slide 17, donc la suivante, voilà, c'est le regain de positivité. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure en introduction, les résultats sont bons, puisque on voit que plus de la moitié des salariés considèrent que leur entreprise a un impact positif sur la société. Et donc, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au climat en entreprise, c'est que quand je suis dans l'entreprise, on ne va pas dire forcément un raccourci « je suis bien », mais en tout cas, je considère que le lieu où je suis a un impact qui dépasse l'intérêt de l'entreprise, a un impact sur la société dans son ensemble. Et alors, les jeunes gardent une vision plus positive de l'impact des entreprises sur la société, puisque c'est 68%, donc 70% des jeunes, hein, des 16-24 ans, considèrent que dans leur entreprise, on a un impact sur le reste de la société. Ce qui amène d'autres signaux faibles, hein, qu'on est en train d'étudier au MEDEF, qui est le rôle politique de l'entreprise, de plus en plus attendu par les salariés aussi sur finalement, dans la vie de la cité. Et le rôle qu'a l'entreprise sur la vie de la cité. Et les 25-34 ans, c'est 66%. Donc, c'est-à-dire des gens qui sont déjà salariés depuis un certain temps considèrent qu'ils ont une vision positive de leur entreprise dans la société. Et donc, sur la slide 18, pour faire un petit peu la synthèse de tout ça, la RSE, d'une manière générale, est toujours vecteur de confiance. Toujours vecteur de confiance et d'attachement à l'entreprise. Et c'est là que vous voyez des chiffres qui sont quand même un petit peu importants. L'écrasante majorité des salariés, donc 89%, pour ne pas dire 90%, jugent leur entreprise performante. Et 93% des salariés interrogés dans une entreprise qui fait de la RSE jugent leur entreprise performante. C'est-à-dire que plus on fait de la RSE, plus on trouve que l'entreprise est performante. Donc, et on est sur des critères particulièrement extra-financiers, puisqu'on est en train de parler de quoi ? On est en train de parler de ce qui préoccupe les chefs d'entreprise aujourd'hui, qui est, par exemple, l'attractivité et la fidélité des collaborateurs. Si une entreprise, je dirais, n'a pas de service RSE, ben elle perd 8 points sur cette volonté de s'inscrire dans l'entreprise à 3 ans. Donc c'est important, hein, 8 points, c'est énorme pour se dire, ben, si je fais de la RSE, il y a un petit peu plus, il y a beaucoup plus exactement d'attachement et de fidélité que l'on peut escompter de la part de ses salariés si on a cette RSE. Et c'est pareil partout, on a systématiquement, je m'étais amusé à les compter, les pourcentages, on a systématiquement du plus 6 à plus 9%, donc c'est quand même très significatif, d'attachement des salariés à leur entreprise sur des items comme la fidélité, la confiance dans l'avenir, le plaisir de venir travailler, le fait d'avoir un bon manager et le fait qu'on s'occupe de la diversité. Il y a pratiquement 6 à 10% d'écart selon qu'on fasse ou pas de la RSE. Donc la stratégie RSE est véritablement, on a deux mots, on n'en parlera pas aujourd'hui, on parle en ce moment en entreprise, c'est la crise énergétique et la relation au travail. Là, on a un vrai outil à travers la démarche RSE qui peut, à défaut de pouvoir corriger la crise énergétique, au moins se dire sur la ressource humaine, j'ai un vrai outil sur lequel je puis m'appuyer. Merci Dominique Carlac, c'est très, très important de le souligner. Pour finir, peut-être brièvement, Armelle. Voilà, je ne sais pas si on ira jusqu'au bout de ce baromètre, mais vous le trouverez sur le site MEDEF, bien entendu, sur la page de la série, hein, la semaine d'entreprise
responsable et inclusive, d'autant que je ne voudrais surtout pas gaspiller le temps que va nous consacrer Madame Marlène Schiappa. Retenez qu'il y a encore d'autres questions, il y a plus d'une quarantaine de questions dans ce baromètre, et si vous voulez en profiter de ces résultats avec recul, n'oubliez pas d'aller sur notre site. Voilà. Merci à vous. Merci, le message est passé. Merci Dominique Carlac, merci Armelle Carminati. C'était un plaisir de vous avoir ce matin.